Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, direction les États-Unis avec un mystère. Oui, mais enfin résolu, le cercle des chaussettes disparues. Tu sais, des fois, t'arrives au boulot le matin avec des chaussettes qui sont pas les mêmes au bout de tes pieds. On se moque de toi, hein? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est parce que j'ai un jeu de mots. Quand t'as pas les mêmes chaussettes aux pieds, oui, c'est pas le pied. Voilà, alors tu vois, mon pied, tu vas te le prendre. Voilà, je te laisse réfléchir où les autres ont compris. Cela dit, c'est pas faux quand même, on se moque de toi, c'est pas plaisant, faut être honnête. Première explication, t'étais pas réveillé, c'est possible. Deuxième explication, la machine à laver. Tu sais, tu les mets toujours par deux dans la machine au moment où tu les laves, les chaussettes. Mais au moment de les sortir, tu retrouves jamais tout. Il y en a plus qu'une sur les deux. Mais elles sont où, ces foutues chaussettes? C'est pas comme s'il y avait un petit bonhomme à l'intérieur qui montait une auto-entreprise de vente par correspondance. Allez, admettons, il y a encore un petit bonhomme qui vit à l'intérieur de la machine à laver. Admettons que ce petit bonhomme soit pieds nus. Pourquoi il porterait des chaussettes dépareillées? Non, la vraie raison, on l'a trouvée. On l'a découverte, c'est un Danois de 3 ans, on l'a retrouvé avec 43 chaussettes dans son estomac. Enfin, quand je vous dis un Danois, c'est un grand chien, C'est pas un petit 3 ans du Danemark. Maman, j'ai une boule à l'estomac. Oh, ça doit être le stress de la rentrée. Non, c'est les chaussettes que j'ai mangées. Alors bref, le veto a opéré le toutou. Ils ont sorti les chaussettes une à une. Le veto a gagné le concours de la chose la plus débile retrouvée à l'intérieur d'un estomac d'un chien. Oui, ça existe, on est aux États-Unis. Alors pourquoi? Mais je ne sais pas. Le chien avait peut-être faim. Quand on a faim, on dit j'ai l'estomac dans les talons. Et pourquoi il aurait pas les talons dans l'estomac? Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.